Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Julie Cornet, et animatrice à la Compagnie du Code, animatrice et formatrice. On mène des ateliers à la Compagnie du Code, c'est une structure d'éducation et d'initiation à la pensée informatique et à la programmation. Et on mène des ateliers en direction des plus jeunes, mais aussi en direction des adultes. Et on intervient notamment autour d'ateliers autour de l'intelligence artificielle dans les établissements scolaires dans le cadre du projet Les Intrépides de la Tech. Avec moi pour animer cet atelier, Nicolas. Ah, Nicolas, tu as déjà enlevé ta Ouais, c'est caméra. bon. Ok, salut tout le monde. Moi, je m'appelle Nicolas De Coster. Donc, je suis aussi animateur à la Compagnie du Code. Très actif sur le projet Intrépide de la Tech. Et en particulier sur les contenus qu'on va vous montrer aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui ont travaillé sur l'élaboration de ces contenus. J'ai fait ça en fait en binôme avec Jade Baker de Magic Maker à Paris. On en reparlera peut-être un peu plus tard, mais bon voilà, c'est pour préciser ça. Voilà pour ma présentation. Merci Nicolas. Je vais vous mettre dans le chat mon mail. Si vous avez des questions, je vous le donne dès maintenant au cas où j'oublie. Comme ça sera fait. Je pourrai le renvoyer plus tard dans le chat si besoin. Donc julie.cornet@lacompagnieducode.org. Je vous l'envoie. Si plus tard vous voulez échanger, si vous êtes enseignant ou autre, ou éducateur, si vous voulez échanger sur nos activités, Nicolas et moi, on est totalement partants pour que vous nous contactiez a posteriori d'aujourd'hui même, si vous avez des questions. D'ailleurs, je mets aussi mon mail dans le chat si ça vous intéresse. Merci Nicolas. On va commencer. Je vais vous partager mon écran. On va commencer cette activité, donc, qui est une activité d'initiation à la reconnaissance d'images. On va vous présenter donc deux outils en ligne qu'on peut utiliser directement lors d'une activité en classe avec les jeunes. Le premier outil qu'on utilise, c'est Teachable Machine. Je vais vous faire une petite démo. Quand j'aurai fini la démo, ça sera à vous de jouer. On vous laissera le temps pour que vous fassiez vous-même et que vous exploriez cet outil en ligne. Alors, je vais partager mon écran. La chose qu'on voulait vous dire... Ouais, vas-y, Nicolas. Juste pour préciser, là c'est un atelier pratique, donc on va vous faire pratiquer. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions en cours d'atelier, n'hésitez pas à nous interrompre là, même quand on parle et qu'on présente les choses. On prend les questions au fur et à mesure, quoi. Donc voilà. Voilà, oui, c'est exactement ce que j'allais ajouter. Merci Nicolas. Donc, c'est vraiment un atelier où c'est vous qui allez expérimenter. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions au moment où vous voulez. Écrivez dans le chat ou même prenez la parole et allumez votre caméra quand vous avez une question. N'hésitez surtout pas, c'est le but de cet atelier. Alors, si problème de son ou d'image, vous nous le direz. Je partage. Alors, est-ce que tout le monde voit mon onglet Teachable Machine? Excusez-moi pour l'accent. OK. C'est bon. Donc, super. Alors... quand vous irez sur cette page, on vous redira les étapes, mais donc il faut cliquer sur Get Started. Et ensuite, aujourd'hui, on va commencer un projet de reconnaissance d'images. Donc, Image Project. Voilà. Alors, on arrive sur l'interface de Teachable Machine, qui, vous voyez, est assez simple, assez épurée. C'est assez facile de s'en servir. On voit ici classe 1 et classe 2. Ici, on a la zone de training et ici la zone de preview. Alors, je vous explique. Dans la zone de classe, c'est les catégories ou les étiquettes de choses qu'on voudrait distinguer. Un exemple très classique, c'est chat ou chien. OK ? Donc ça, c'est les catégories qu'on peut choisir et c'est là qu'on va lui donner les données sur lesquelles on veut entraîner notre modèle. Je vais revenir sur cette étape. Ensuite, on aura l'étape d'entraînement, où là, l'algorithme va s'entraîner sur la base des données qu'on lui aura fournies. Et ensuite, là où on va tester le modèle qu'on aura entraîné, on va pouvoir voir le résultat en lui donnant en entrée une image.
que ce soit une image de notre ordinateur ou depuis la webcam. Alors, on va faire un petit exemple. J'ai préparé un test que j'aime bien faire, qui est avec les pochettes d'albums, les pochettes d'albums de musique. Alors, mon idée, c'était d'entraîner l'algorithme sur des pochettes de deux types de musique, du jazz, deux styles de musique, et du métal. Alors, vous voyez qu'on peut ici bien choisir le nom qu'on veut pour les catégories. Ensuite, on peut soit donner les images d'entraînement en prenant des photos avec la webcam. Moi, ici, j'ai déjà les images dans mon ordinateur. Donc, je vais faire « Upload ». « Choose images from your files ». Donc, je vais prendre les images depuis les fichiers qui sont sur mon ordinateur. Donc là, je vais aller dans les bonnes... Ah ben, je suis déjà dans le bon dossier. Donc là, je suis dans Jazz. Donc, je vais dans Jazz. Je vais prendre... Je les ai déjà enregistrées sur mon ordinateur. Je vais en prendre une dizaine. Voilà. Ah, j'en ai pris que 9. Bon, je peux en rajouter, peu importe. On peut en ajouter si vous voulez, en refaisant un Choose Images. Je vais faire la même chose pour Metal. Attention dans cette étape de ne pas se tromper. Hein. Parfois, quand on est dans le truc, on met des images d'une catégorie dans l'autre, surtout quand on fait avec la webcam. Donc, bien faire attention quelles images on met dans quelle catégorie. Là, je vais mettre des images de pochettes d'albums de métal, donc qui sont déjà sur mon ordinateur. J'ai fait un dossier pour ça. Pareil, j'en prends une dizaine. Hop. Voilà, donc là, j'en ai 10. Allez, j'en rajoute une pour le jazz. Voilà. OK. Quand on en est là, on va pouvoir entraîner notre modèle. Donc, quand ça sera votre tour de faire, vous pourrez soit utiliser des images que vous avez déjà dans votre ordinateur, soit faire une rapide recherche Google ou autre navigateur, autre moteur de recherche pour choisir une dizaine ou entre 5 et 10 images de votre catégorie de votre choix. On peut aussi ajouter une autre classe, une autre catégorie, une autre étiquette. Hein. Avec deux pour la démonstration. Alors ensuite, on entraîne notre modèle. Alors, Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pendant que ça s'entraîne? Comme je ne vois pas le chat, dites-moi. Ouais, sur le chat, je pense que non, il n'y a pas trop de questions. Ouais, non, sinon, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Enfin, voilà, là, on vous montre un type d'atelier où on prend des images sur internet ou voilà et l'autre type c'est avec la webcam. Il y a moyen de faire plein de choses assez sympas aussi lors de ces ateliers là pour les situations où vous avez une webcam, par exemple pour faire reconnaître les gens dans la salle, donc dans la classe, peut-être s'ils sont en binôme par exemple pour faire l'exercice, et ben un des exercices c'est de mettre les deux jeunes pour les deux classes, quoi. Donc voilà. Et après, ouais, sur la webcam, il y a plein de trucs sympas aussi à faire. Ouais, comme dit Nicolas, il y a les deux modes d'entrée, hein, soit webcam, soit image enregistrée. Donc là, on est en train d'entraîner. Voilà, ça a entraîné. Vous avez vu, quand ça entraîne, ça prend un peu de temps. Ça peut nous demander, si on veut arrêter la page qui est ralentie, il faut le laisser continuer, hein, lui dire de patienter. Ensuite, voilà. Là, ça nous demande si on veut... pour tester notre modèle entraîné, utiliser la caméra ou utiliser une input qui viendrait de notre ordinateur. Donc, c'est ici qu'on peut choisir dans webcam. Donc là, vous voyez, c'est la webcam, c'est moi. Alors, apparemment, moi, je ressemble plus à du jazz. On pourra discuter de ça. Pourquoi? Pourquoi mon image ressemble à du jazz? Oui. Vous avez quelques questions, si je peux... Ah oui, bah on va... Vous m'avez dit, hein, qu'on oui, pouvait... voilà, très bien, on va prendre les Alors, questions. On a Kevin suite. Richard qui pose la question suivante. On peut savoir ce qui se passe... Je vous lance les questions, puis... Voilà. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe pendant le training et l'algorithme? Laure Bessaguet qui nous demande, est-ce que les images sont gardées par le logiciel après? Ouais. La webcam doit nécessiter un droit à l'image, j'imagine. Voilà les deux questions. Alors, tout ça, on va en reparler après quand vous serez en train de faire votre projet. La webcam, vous avez vu là, peut-être que vous ne voyez pas cet onglet dans le partage d'écran, ça m'a demandé l'autorisation d'activer la webcam déjà. Et pour le stockage des images,
Nicolas, tu confirmeras, hein, si je ne me trompe pas, Teachable Machine ne stocke pas les images. Ouais, donc je confirme, c'est vraiment ça. Hein, et pour nous, ça a été un intérêt d'utiliser cet outil-là, c'est que tout ce qui se passe là, c'est uniquement dans le navigateur. Là, jusqu'à la dernière étape qu'on montrera tout à l'heure, tout reste sur l'ordinateur, il n'y a rien qui est mis sur les serveurs. Donc ça tourne en HTML, JavaScript, CSS, pour ceux qui connaissent. Donc c'est en local. Donc les images, elles ne sortent pas de l'ordinateur tant que on ne le décide pas, quoi. Donc ça, c'est sûr. Et puis l'algorithme qui est derrière, dans le training, ben, en fait, c'est un algorithme de deep learning qui tourne, de reconnaissance d'image, quoi. On pourra revenir sur les questions d'entraînement tout à l'heure, parce que vous allez le faire vous-même. Et aussi, retenez, hein, que c'est assez amusant que moi, je suis vraiment reconnue comme du jazz. C'est intéressant, on en reparlera tout à l'heure aussi. Je vous montre comment on peut utiliser ensuite l'entrée en tant que, pas la webcam, mais une image qui est sur notre ordinateur. Il faut changer ici, dans une petite flèche, à la place de webcam. Je clique et on peut mettre file. Il faut la regarder faire. Bah, si je fais ça, je vais sur YouTube et je regarde toujours comme tout ça. Là. Et là, après, on peut du coup. Ah, ça n'a pas pris. Ah, voilà, c'est bon. Ça met un peu de temps. Et là, je peux choisir une nouvelle image. Donc, je vais choisir une image dans mes images déjà enregistrées. Je vais choisir une image. Heureusement que. Celle qui a déjà été utilisée dans le modèle. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de couper le son? Il y a des personnes qui parlent fort. Je viens de trouver la personne qui a oublié de couper son micro. Merci, je viens beaucoup. De couper le micro. Merci beaucoup, je l'entendais très fort. Du coup, je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Je disais, on va pouvoir... Merci. Hein. On va pouvoir choisir ici une image qu'on veut. Et il faut qu'on choisisse, pour que ça ne soit pas biaisé, une image qu'on n'a pas mise dans l'entraînement. Hein, sinon, c'est déjà une image qui était dans l'entraînement. Donc, j'en prends une, papa. Parmi les premières que j'ai utilisées, j'en prends au hasard. On va la voir apparaître. Voilà, Coltrane. Et là, on descend. Là, il nous dit jazz à 100%. J'essaye avec une autre. Je vais essayer dans ma catégorie métal. J'en prends une qui est plutôt vers le bas. Que je n'ai pas prise dans mon entraînement. Il la charge. Et là, il me dit métal à 100%. Ça ne sera pas toujours 100% la probabilité. Dans ce cas-là, la probabilité est très élevée. Donc voilà rapidement comment on utilise cette interface. Bien sûr, on pourra le reprendre plus lentement et plus en détail si vous avez des questions. Là, l'idée, c'était de vous montrer la démarche de A à Z pour que vous puissiez le faire maintenant, sachant que ça, c'est la première partie de notre atelier. Donc là, on va partir sur 10-12 minutes libre pour vous, pour le tester. Donc, vous pouvez choisir vos catégories. Ici, vous pouvez choisir le nombre de catégories que vous voulez et mettre des images pour chaque, sachant que plus vous en mettrez, plus l'entraînement sera long. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat, voire prendre le micro et la caméra tour à tour, hein, pour nous dire ce que vous voulez tester. Nous raconter ce que vous essayez et nous dire ce que ça donne. Et surtout, les questions, n'hésitez pas. Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vais arrêter le partage pour venir voir si c'est bon pour tout le monde. Donc, est-ce que vous avez bien le site Teachable Machine pour essayer? Donc, je viens voir dans le chat. OK. A priori, c'est OK. OK. OK, très bien. Donc, vous pouvez essayer avec les catégories de votre choix. Ce qui est bien quand on fait cet atelier avec les jeunes, c'est qu'ils ont beaucoup d'imagination. Et ils ne partent pas forcément sur chat et chien, comme on a envie de faire classiquement. Ils ont pas mal d'idées. La semaine dernière, on a eu cornichons et dauphins. Ah ouais, pas mal. Ouais, c'était au collège en région PACA. On a eu aussi, d'accord, les vêtements, jupes et jeans.
On pourra vous donner quelques exemples. J'ai quelques suggestions d'utilisation plus tard. Malheureusement, là, on n'a pas le temps de vous demander à tous un par un dans quelle discipline vous enseignez, déjà si vous êtes enseignant ou pas. Mais n'hésitez pas, si vous voyez des applications qui vous seraient utiles à vous, n'hésitez pas à partager vos idées. Non, on n'a pas de jeu de données sous la main. Enfin, moi, je les ai dans mon ordinateur. Après, il suffit d'enregistrer sur votre ordinateur quelques images en faisant une recherche. Je ne sais pas si Nicolas, tu as d'autres choses, mais il suffit d'entre 5 et 10 images d'enregistrer pour deux catégories. Et après, je ne sais pas pourquoi Kevin pose vraiment la question, quoi. Mais en tout cas, pour un atelier avec des jeunes, c'est intéressant de les laisser chercher, hein, parce que ça fait partie vraiment de l'appropriation du sujet, d'aller à la pêche aux images, aller chercher les images pour nos deux catégories et puis tester, voir comment ça marche, etc. Donc ça fait vraiment, c'est vraiment d'un point de vue pédagogique, c'est vraiment intéressant cette étape-là. Et après, sur un atelier, soit en binôme, soit chaque jeune sur son ordinateur, du coup il va y avoir des choses vraiment très très différentes et ça va être l'occasion d'aborder différents sujets liés aux problématiques d'apprentissage et aux problématiques de recherche et des données, etc. Donc le mieux, oui, c'est vraiment de les laisser eux-mêmes récupérer les données. Après, sinon, ça peut se trouver, hein, des bases de données comme ça avec pour telle et telle classe, pour telle et telle problématique, mais à la limite je pense que c'est moins intéressant, enfin, ou c'est pour voir d'autres choses, quoi. Oui, c'est ça. Et alors, si on est contraint par le temps dans l'atelier, on peut leur demander de ne pas passer, une demi-heure à décider de leur catégorie. Mais c'est bien, comme disait Nicolas, de les laisser chercher. Et donc, cette activité, c'est une des activités que l'on propose dans les ateliers que l'on mène dans le cadre du projet Les Intrépides de la Tech. On commence en général par une activité débranchée, sans ordinateur, qui était présentée justement dans un atelier de la session B. Et ensuite, on enchaîne avec cet entraînement sur Teachable Machine qui, là, leur permet vraiment de, eux, expérimenter concrètement et tester ce qu'ils ont envie. Et puis après, passera, vous verrez, dans un second temps, on utilisera ce modèle sur un autre outil en ligne qui s'appelle Adacraft. Et pour l'instant, on vous laisse te tester. Qu'est-ce que tu voulais dire, Nicolas ? Ouais, je voulais juste préciser que cette étape-là avec Teachable Machine, il y a un engouement très, très fort. Chaque fois qu'on le fait, les jeunes sont à fond, enfin les jeunes ou les adultes, hein, c'est vraiment un moyen très très ludique de découvrir le sujet, quoi. Oui, surtout qu'ils peuvent vraiment partir avec leur centre d'intérêt, hein. On a vu skateboard ou vélo, voiture ou moto, enfin, vraiment, ça va dépendre des jeunes. Il y en a qui le font avec des célébrités aussi. Ils peuvent vraiment partir dans quelque chose en lien avec leur goût personnel. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à mettre leurs photos dans Teachable Machine, voire qu'ils sont en train d'entraîner ? Peut-être pas déjà. Hein. Il faut quand même le temps de sélectionner les images. Tenez-nous au courant et n'hésitez pas à prendre le micro. Ouais. S'il y en a qui ont peut-être essayé. Ouais, dites-nous. S'il y en a. Nous. Pardon ? Oui, je disais, dites-nous où vous en êtes. N'hésitez pas à prendre le micro. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un, Nicolas, qui demande, le projet peut-il être sauvegardé ? Alors, pour la sauvegarde, il y a deux possibilités. Vous pouvez télécharger l'ensemble des images sur votre ordinateur, ou pour ceux qui ont un compte sur Google Drive, comme en fait l'outil est développé par Google, ils ont branché avec Google Drive. Donc, vous pouvez aussi enregistrer ce que vous faites sur le Google Drive. Bon, par contre, par rapport à la question de tout à l'heure, bien sûr, à partir de ce moment-là, les photos, elles sont sur votre Google Drive, quoi. Donc voilà, et donc vous pouvez télécharger sinon sur votre ordinateur si vous préférez, quoi. Il y a un petit menu en haut à gauche là, avec les trois petites barres horizontales qui vous permet de faire ces choses-là. Et en effet, c'est une bonne question parce que, alors juste pour explorer comme ça, c'est pas vraiment important, mais quand on veut vraiment creuser un peu le sujet et puis commencer quelque chose et y revenir plus tard, hein,
Enfin, des fois, on a tendance à démarrer et à faire notre modèle et à l'entraîner et considérer qu'il est bon et presque à l'oublier, alors qu'en fait, on revient souvent en arrière. On commence à entraîner quelque chose et on se rend compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut rajouter des images. Et donc, c'est bien de l'enregistrer, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait l'entraînement, qui ont déjà un modèle entraîné et qui marche bon, peut-être plus ou moins, hein, peu importe. Peut-être s'il y a des gens qui ont essayé de faire des choses avec la webcam ou même peut-être avec des images téléchargées. Si quelqu'un veut montrer, veut partager ce qu'il a fait. Est-ce que ça va pour tout le monde? Personne ne rencontre de soucis? Tout le monde a bien vu comment on importe les images, comment on défile nos deux catégories. N'hésitez pas, pareil, s'il y a une étape que vous avez manquée, il n'y a aucun souci pour qu'on repartage l'écran pour vous montrer, hein, n'hésitez pas. Ça a l'air bon, en tout cas personne ne se manifeste, donc on espère que c'est bon. Alors, oui, donc vous voulez dire comment on... Ah ben bonjour Sandrine, tu veux dire comment on teste une autre image, une image qui est dans notre ordinateur? Donc, je reprends le partage. Alors, hop. Donc, ici, là, à côté de Input On, ça nous propose soit Webcam, soit File. Alors, moi, il met un peu de temps à afficher le menu. Voilà. Je ne sais pas si tu vois. Ici, on peut mettre Webcam. Donc, normalement, par défaut, c'est ça. Tu vas avoir ici Input On. Et juste à côté, le petit onglet avec Webcam, une petite flèche. On peut cliquer dessus et changer l'input par File. Et à partir du moment où on a File ici, ça nous propose ici « Choose images from your file ». On peut les prendre et glisser ici ou cliquer et ça nous ouvre nos documents. Est-ce que c'est bon? Je ne vois pas le chat. Est-ce que c'est bon, Sandrine? Et pour les personnes qui auraient cette même question? Oui, elle a répondu que c'était bon. Voilà, okay. Je voyais pas le bouton en fait. Parce qu'il ouais, mais c'est une bonne question parce qu'il est un peu caché. Enfin, c'est pas évident. L'interface est assez claire, ouais. Sauf cette petite partie. Ouais. Oui, parce qu'il propose tout le temps la webcam et quand on a fait la... Ouais. Quand on a fait la manip avec la webcam, on essaye de trouver autre chose et je voyais pas le bouton. Merci. De rien, avec plaisir. Ouais, l'interface est assez claire, sauf cette petite partie où, oui, en effet. Le bouton est un peu caché. Alors, Laure qui nous dit, il faut relancer l'entraînement si ça bloque. Alors, ça dépend ce que tu entends par bloc, mais a priori, il faut attendre. Et si la page te dit, une page ralentit votre navigateur, voulez-vous l'arrêter ou patienter? Il faut patienter. Ça prend quelques minutes. Enfin, avec une dizaine d'images, ça prend quelques minutes. Avec beaucoup d'images, ça en prend plus. Donc voilà, quand ça entraîne, n'hésitez pas à attendre, à patienter. Et il ne faut pas changer d'onglet. Pendant que c'est en train d'entraîner, il va vous dire de ne pas changer l'onglet. Si on change d'onglet, il n'entraîne pas pendant ce temps. Alors, la question de Laure. Nicolas, est-ce que tu comprends la question de Laure? Ou Laure, si vous voulez prendre le micro, moi je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous voulez nous dire? Tout à l'heure, je l'ai entraîné et j'avais activé la webcam et ça a bloqué après sur la barre de pourcentage de reconnaissance. Ah oui ? Dès que je mettais une autre image, il voulait plus changer, donc je l'ai réentraîné et a priori ça a débloqué. Voilà. D'accord. Donc oui, là c'était pas que c'était bloqué dans le modèle, c'est dans l'entraînement, c'était peut-être. Donc là maintenant c'est bon pour vous ? Oui, c'est bon. D'accord. Ok, super. Et donc on a Frédéric qui nous dit. Et courgettes et cornichons, ah, pas mal, hein, parce que ça se ressemble plus que cornichons et dauphins. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous dire? Qu'est-ce que vous avez testé d'autre? Je ne sais pas, Laure. Oui, Nicolas? Ouais, sinon, je vais juste réagir justement au fait que courgettes et cornichons, c'est justement un cas où les deux classes d'images sont proches. Et en fait, vraiment dans les ateliers, il peut y avoir soit des gens qui choisissent des choses qui sont complètement différentes,
Donc, je ne sais plus ce que j'avais eu. J'avais eu moto et skateboard, par exemple. Là, pour le coup, c'est des objets qui n'ont vraiment rien à voir. Et d'autres qui choisissent des projets qui sont assez proches. Et du coup, en termes de ce qui se passe pour l'apprentissage et la qualité des résultats, bah, c'est très différent, quoi. Donc, voilà. Et donc, pour corriger tes cognitions, il y aura peut-être des situations où il aura du mal à faire la différence entre les deux. Parce que voilà, c'est assez proche. Et donc, par exemple, lors d'un atelier, il y avait un binôme, ils avaient choisi pommes et poires, hein, et ils avaient mis une caisse de pommes devant le truc, et ça avait détecté poires, hein, uniquement parce que dans leur apprentissage, à un moment donné, ils avaient mis une caisse de poires, quoi. Donc, il a plus détecté le fait que c'était une caisse, et comme c'était dans la catégorie poire, hein, il l'a mis dedans, quoi. Et donc, voilà, donc ça, c'est super intéressant, de tous ces petits trucs, ces petites erreurs, les trucs qui ne marchent pas très bien, parce que ça aborde vraiment la question de l'apprentissage et de la qualité du jeu de données, quoi, et des problèmes d'ambiguïté, toutes ces choses-là, quoi. Oui, on a une autre question de Eric. Eric, n'hésitez pas à prendre le micro si vous en avez un. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, voilà. Donc, oui, je voulais faire, vous faire part de mon expérience. Donc, je viens de... Enfin, alors, moi, j'ai testé avec des légumes et des fleurs. D'accord. Donc, j'ai récupéré des images de bouquets de fleurs, des images de bouquets, entre guillemets, de légumes. Et il faut connaître, je suis assez bluffé parce que, mine de rien, l'algorithme s'en sort remarquablement bien. Voilà, parce que mine de rien, il faut connaître, ce sont des images quand même qui sont assez similaires, hein, des couleurs variées chaque fois, des, voilà, ouais, des formes qui se ressemblent un petit peu. Et bon, j'ai fait deux essais, en fait deux tests pour l'instant. Voilà, il ne s'est pas trompé. Et, j'ai eu un 100% et un 85%. Ah oui. Donc, non, je suis assez bluffé, surtout que pour l'entraînement, je n'ai mis que 5 images par catégorie. Donc, c'est ce que j'allais vous demander. Oui, donc 5 images par catégorie, ouais. D'accord. Ah ouais, donc non, plutôt impressionné. Bon. Et c'est vrai que oui, c'est important de remarquer que là, même avec des images comme vous dites, qui présentent une diversité dans l'image, apparemment l'algorithme a trouvé certaines caractéristiques qui permettent de distinguer. Beaucoup de diversité dans les images, mais beaucoup de similitudes entre les deux catégories. Voilà. Voilà, au niveau de couleur, de forme. Et oui, et au final, oui, c'est le résultat est plutôt bien, quoi. Très bien. Et oui, c'est vrai que quand on est dans cette partie, on en profite, voilà, comme disait Nicolas, pour aborder les questions de biais et puis d'entraînement. Et du coup, c'est vrai que si par exemple, là, avec mes images, là, vous voyez que l'entraînement, on ne le voit pas. Ici, c'est une boîte noire dans Teachable Machine. On n'entre pas dans les détails du réseau de neurones et de comment le modèle est entraîné. Mais on aime bien quand même leur expliquer, leur faire sentir que le modèle s'entraîne vraiment sur les pixels des images qu'on lui donne. Et pas comme nous, comme un être humain qui va reconnaître la forme. Par exemple, avec les élèves de la semaine dernière, il y en a justement la jeune fille qui testait cornichons et dauphins. Ça marchait très bien. Elle avait pris que des cornichons, disons, isolés ou dans des bocaux de vue très proche et puis des dauphins dans l'eau. Je lui ai dit, là, ça marche bien. Et tu vois, toi, en tant qu'être humain, tu distingues un cornichon d'un dauphin. Tu as le concept de dauphin et le concept de cornichon. On peut distinguer la silhouette. L'algorithme, c'est pas forcément sur la silhouette qui se base, et comme l'expliquait Nicolas, ça peut être un truc qu'il y a dans l'image, une cagette ou qui tient les fruits ou quelque chose qui est en plus, ou ça peut être le fond aussi. Et ce que je lui disais, j'ai pas encore testé, mais ce qui serait intéressant de tester, c'est si dans toutes ces images d'entraînement pour la catégorie dauphin, elle avait mis un dauphin dans de l'eau un peu bleutée, si on mettait un cornichon dans la mer avec des petites vagues autour, en faisant un petit montage, est-ce que le modèle nous dirait dauphin? C'est possible. Que c'est possible que ce qu'il repère dans toutes les images de dauphins, c'est plutôt la mer que le dauphin en lui-même. Donc ça, c'est des choses à discuter en fonction des images que les jeunes ont mis dans l'entraînement. Là, tout à l'heure, vous avez vu avec la webcam, hein, si je remets la webcam, dans mon exemple jazz et métal, vous avez vu tout à l'heure que moi... Ah, il ne veut pas me remettre la webcam. Voilà.
Vous avez vu qu'il me voit, moi, Julie, en tant que plutôt jazz. C'est en train de... Je ne sais pas si c'est en train de changer. Bon, vous avez vu tout à l'heure. Et alors, pourquoi il me dit que moi, je suis plutôt jazz, à mon avis, alors c'est juste une hypothèse, hein, mais je pense que ça vient du fait que dans mes images d'entraînement de pochette de jazz, vous voyez qu'il y a très souvent un musicien où on voit son visage... On voit son visage d'assez près, en assez gros plan. Il y a souvent des visages dans mon entraînement. Alors que dans les pochettes de métal, alors pour quelques-unes, oui, mais pour la plupart, c'est plus des dessins, des motifs. On ne voit pas forcément un visage de près. Donc, j'ai l'impression que là, quand il voit mon visage, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, il détecte les contours d'un visage, comme sur les pochettes de jazz. Bon, je ne sais pas si vous avez une autre hypothèse, ou je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, ou quelqu'un d'autre parmi vous, mais... C'est peut-être pour ça que quand c'est sur la webcam, moi j'apparais comme du jazz, mais c'est une hypothèse. Ouais, non, mais je pense que c'est ça. Hein. Ouais, c'est sans doute ça. Voilà. Après, on peut justement s'amuser à essayer de voir pourquoi il détecte telle image pour telle classe, hein, alors que c'est une image qui n'a rien à voir ou qu'il s'est trompé, ce genre de choses. Donc ça fait partie de ce petit travail un peu d'enquêteur pour aller essayer de comprendre sur quelles caractéristiques il a pu se tromper, quoi. Ok, donc est-ce que tout le monde a pu tester quelque chose ? On va bientôt passer à la suite, mais avant ça, on aimerait vérifier que vous avez tous pu tester. Si vous rencontrez des problèmes, dites-le nous. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous dire ce qu'il a testé ? Bon... J'espère que c'est bon pour tout le monde. N'hésitez pas. On passe à l'étape d'après, Nicolas ? Ouais, ok, c'est bon. Ok. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, je repartage l'écran pour vous montrer justement, une fois qu'on a entraîné ce modèle, ou n'importe quel autre modèle, on peut, ce qui s'appelle l'uploader, le charger, et ensuite en récupérer une clé ou une URL qui nous permettra de l'utiliser dans un projet qu'on va faire avec AdaCraft. Alors tout d'abord, je vous montre comment on exporte le modèle sur Teachable Machine. Donc je repartage mon écran. Tout le monde voit bien. Donc une fois que c'est entraîné, on peut ici cliquer sur Export Model. Ça prend un peu de temps. Je ne sais pas si mon onglet n'a pas planté. Non, c'est bon quand même. J'avais l'impression qu'il était bloqué, mais ça a l'air d'aller. Voilà. Donc, on clique sur Export, Upload My Model. Tu veux préciser, Nicolas, ce qui se passe pendant que ça charge ? Ouais, donc là, ce qui se passe, c'est qu'il prend ce que vous avez fait sur votre ordinateur et ça va donc mettre le fichier quelque part sur un serveur donc de Google. Mais ce qu'il va mettre, ce n'est pas vos images, etc. C'est juste le modèle au sens deep learning. Donc, c'est juste les valeurs numériques qui permettent de faire la reconnaissance ensuite, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment d'infos liées aux images que vous avez utilisées, quoi. Donc, c'est au moins pour vous rassurer là-dessus. Et surtout, là, il va générer un lien. Et les seules personnes qui peuvent y accéder, c'est celles qui ont le lien, quelque part. Enfin, c'est comme beaucoup de choses sur Internet. Vous allez voir, il y a une clé dessus avec des caractères bizarres. Bon ben voilà, il faut avoir ces caractères-là pour accéder au modèle, quoi. Donc voilà les enjeux de l'upload du modèle à ce niveau-là, quoi. Donc Nicolas dit c'est pour vous rassurer, mais aussi vous prévenir que là ça upload le modèle, disons l'algorithme entraîné, les valeurs numériques entraînées, et ça ne garde pas les images. Donc si vous voulez garder les images, il faut les sauvegarder dans le cloud ou sur votre ordinateur. Là ça ne sauve que le modèle entraîné. Donc là, on obtient une URL de notre modèle entraîné qu'on peut copier. Et ce qui s'appelle la clé de notre modèle, c'est les derniers caractères. Alors, j'ai cliqué sur copier, mais ça met un peu de temps. Je crois que mon ordi rame un peu. C'est bon, ça a copié. Ce qui s'appelle la clé de notre modèle, c'est les derniers caractères ici. Et donc ça, on va pouvoir les utiliser dans une autre interface. Donc... développé eh bien, par Nicolas. On va aller sur AdaCraft ici. Donc, c'est bon, Nicolas, je passe sur AdaCraft. Tout le monde a vu comment je récupère. Donc, je récupère l'URL du modèle ou juste la clé ici.
Ouais, dans Radacraft, on va pouvoir préciser soit une URL complète, soit juste la clé. Si c'est juste la clé qu'on va préciser, ça va aller chercher justement sur... ça va reconstruire l'URL, quoi. Mais comme ce modèle, vous pouvez aussi le télécharger sur votre ordinateur et le mettre sur votre serveur. Si vous avez un serveur web, vous pouvez mettre des fichiers, vous pourriez le mettre là-bas et du coup mettre l'URL pour accéder à ce truc. Juste petite parenthèse pour expliquer pourquoi on peut faire les deux, quoi. Mais bon, le plus simple, c'est par la clé avec ce qu'on va faire là. Voilà. Donc là, j'ai copié la clé. Ensuite, on va sur Adacraft. Donc vous pourrez y aller après. Je vous fais une petite démo comme tout à l'heure. On peut faire Start Creating. Donc là, je crée un nouveau projet. Bon, je vais l'appeler démo. C'est bien de mettre une petite description, mais là, pour gagner du temps, je ne vais pas le faire. Donc là, vous allez reconnaître une interface, pour ceux qui connaissent, qui ressemble à Scratch, mais avec quelques fonctionnalités en plus, et notamment des extensions qui vont nous permettre d'utiliser notre modèle. Donc moi, j'ai envie de faire un petit projet sympa par rapport à mes pochettes d'albums de musique. Et j'aimerais du coup créer un projet avec un personnage qui va nous dire s'il reconnaît du jazz ou du métal quand on lui montre une image. Donc là, par défaut, on a déjà un lutin avec du code. Si vous voulez tester, vous pouvez. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le supprimer et ça supprimera le code avec attention. Moi, je vais ajouter un nouveau lutin. Dans Scratch et dans Radacraft, on appelle ça les lutins, les sprites en anglais. Et comme je fais quelque chose sur la musique, je fais quelque chose dans musique. Moi, j'aime bien cette radio, je la trouve sympa. Donc, je vais faire ma radio. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser le modèle qu'on a entraîné au préalable sur Teachable Magic. Donc, vous reconnaissez sur la gauche les catégories celle qu'on peut aussi trouver dans Scratch. Mais là, vous allez voir une catégorie AdaVision. AdaVision, prononcée à la française. Et dans AdaVision, on a différents blocs qui sont spécifiques à la reconnaissance après entraînement d'un Teachable Machine. Donc, par exemple, on va pouvoir utiliser un bloc ici, sélectionner et initialiser le modèle dont l'URL est. Donc là, on pourrait mettre l'URL que je vous ai montré tout à l'heure. Ou celui qui propose d'initialiser avec la clé. Donc moi, comme j'ai copié la clé, là, je vais prendre la clé. Et ici, je vais mettre ma clé. Donc je fais CTRL-V, coller la clé de mon modèle. Et ça, je vais le faire quand on clique sur le drapeau vert. Ensuite, on va pouvoir lancer la détection sur une image. Donc, on peut lancer la détection soit sur l'image de la webcam, soit sur une certaine URL qu'on peut lui donner ici. Donc, moi, j'ai déjà une image en stock. Par exemple, là, j'ai un album de jazz et un album plutôt de métal. Ce sont des images que je n'ai pas mises dans l'entraînement. Donc, je vais prendre cette URL, copier, coller. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir dire à notre lutin, ici, notre radio, quand on lance la détection, nous dire ce qu'elle voit. Donc là, je vais utiliser un bloc de Scratch. Je vais lui faire penser, parce qu'elle ne peut pas trop dire. Hop, penser pendant 2 secondes. Et là, je vais lui mettre de nous dire la classe détectée. Donc la classe détectée, je rappelle, pour moi, qui peut être soit jazz, soit métal. On peut la trouver ici, dans les blocs, dans la catégorie AdaVision, classe détectée. Voilà. Tu as quelque chose à ajouter, Nicolas, avant qu'on teste? Non, très bien. Alors, on teste. Drapeau vert. Donc, j'ai mis l'image ici. Ça met un peu de temps pour initialiser le modèle. Il nous dit jazz. OK, super. Allez, pendant que j'y suis, je teste la deuxième image qui est ici. Hop. Je copie l'URL, je la colle, hop, et je reteste. Ah, et là, il nous dit métal, OK. Pour information, on peut afficher, comme les variables dans Scratch, la classe détectée et afficher le taux de confiance, donc la probabilité avec laquelle le modèle nous dit que c'est métal ou jazz. Là, c'est 1, donc 100% comme tout à l'heure.
Donc voilà, je pense que pour cette très courte démo, je vous ai montré l'essentiel des blocs qui permettent de tester. Peut-être je peux vous montrer comment on fait la détection à partir de la webcam. Donc dans ce cas, il nous suffit de prendre le bloc lancer la détection sur l'image de la webcam. Alors toi, je te mets de côté pour l'instant. Hop, donc là, ça va probablement me demander d'activer la vidéo. Voilà. Et donc là, je vais peut-être mettre la transparence. Non, mais là, déjà, on a vu le résultat. Et du coup, j'en profite pour faire une remarque sur le taux de confiance. En fait, il y a un petit défaut dans le site de Teachable Machine. Eux, ils ne mettent pas un taux de confiance, ils mettent un pourcentage. Et au final, c'est... voilà, ça peut être un peu trompeur, surtout si on a encore plus de classes, quoi. Parce que voilà, peut-être que le taux de confiance, il n'est pas si fort que ça, quoi. Donc, voilà, là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment le taux qui est affiché. Et puis, du coup, on voit que là, c'est à 73% que le visage de Julie a été détecté comme étant du jazz. Donc, c'est pas voilà. Non plus très, très fort. Alors ça peut paraître fort parce que c'est plus que 0,5, hein, les valeurs c'est entre 0 et 1, mais voilà, d'expérience, une bonne détection c'est au-delà de 0,95. Voilà, donc après, c'est un truc aussi intéressant à creuser, c'est de voir un peu tous ces taux de confiance, quelles sont les valeurs suivant les cas, et donc voilà, pour discuter de ce que détecte l'algorithme avec l'eau de confiance. Et puis, à un moment donné, il faut bien mettre un seuil pour dire « Ah bah oui, là, il a vraiment détecté tel truc, quoi. » Et donc, ça fait partie des sujets pédagogiques qui peuvent être abordés lors de ce genre d'atelier. Voilà. Donc, j'ai aussi amené un CD pour tester. Donc, j'enlève mon visage, j'essaie de le mettre plus proche. Et on va voir si le taux de confiance augmente. Et on va voir ce que ça détecte, déjà. Il faut attendre un petit peu. Voilà, 0,996 et ça nous a dit jazz. Ok, donc le CD de jazz ressemble plus à du jazz que ma tête. C'est rassurant. Donc voilà, je vais quitter le partage d'écran, voir s'il y a des questions. Et puis vous pouvez, si vous voulez, tester du coup à partir de la clé de votre modèle entraîné sur Teachable Machine. Vous pouvez tester un petit programme. Là, on a fait le programme le plus simple qu'on pouvait, mais vous pouvez faire un petit programme qui fait des choses en fonction de votre modèle préalablement entraîné. On vous laisse tester, on vous laisse nous poser vos questions, et puis si vous n'avez pas de questions, on pourra vous donner des exemples, mais on va d'abord voir si vous avez des questions et voir ce que vous testez. Je quitte le partage d'écran et on vous écoute. Et alors juste peut-être un truc, Julie, peut-être que oui. Tu peux copier la clé clé de ton modèle, peut-être que tu peux la mettre dans le chat pour ceux qui n'ont pas de modèle qui est prêt. Comme ça, ils pourront au moins tester les blocs avec ton modèle, quoi. Bien sûr. Alors, je pense qu'elle est encore dans mon presse-papier. Je rouvre le chat et je vais vous mettre ça. Et sinon, là, il y a une question. Alors, est-ce qu'on peut tester avec une image sur l'ordi? Donc, pour l'instant, non, ce n'est pas possible. Mais oui, ça serait pas mal d'avoir un bloc dans Adacraft qui permet d'ouvrir, de demander à l'utilisateur de sélectionner une image sur son ordi. Donc ça, Julie, elle m'en a encore parlé hier de ce bloc-là. Donc il n'existe pas encore, mais je pense que je vais l'ajouter à terme, quoi, parce que ça revient assez souvent. C'est juste que c'est un peu plus compliqué à développer que les autres, donc c'est pour ça que ça n'y est pas encore, quoi. Ouais, donc, ouais. Excuse-moi. Non, par rapport à la clé, quand on copie sur Teachable Machine, on copie toute l'adresse URL ou que la clé, parce que sur la manip que vous avez montré, il n'y avait que la clé. Parce que j'ai testé, ça ne marche pas, moi. Ouais, alors justement, tu peux répondre, Nicolas, je repartage l'écran. Il y a deux choses, il y a l'URL et la clé. C'est deux choses et on peut choisir. Donc ça dépend en fait du bloc que vous avez utilisé. Donc là, avec le bloc de Julie, c'est marqué sélectionner et initialiser le modèle dont la clé est, et là on met une clé. Et il y a un bloc au-dessus qui ressemble à ça, mais c'est marqué sélectionner et initialiser le modèle dont l'URL est, ou un truc comme ça. C'est ça. Donc là, j'ai la clé. Là, je sais pas si vous voyez mon écran. Mais, sur Teachable Machine, je ne vois pas comment on sélectionne que la clé, en fait. Ah non, il faut la copier. Ah, il faut la copier. Du coup, là, il faut sélectionner avec la souris. Que la fin, en fait.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. La fin et sans le... oh, ouais, et sans le slash à la fin, peut-être aussi. Mais ça, je ne suis pas sûre. Ouais, okay, c'est bon. Oui. C'était ça que j'avais un peu zappé. C'est ça. Okay. Ouais. Donc là, vous voyez les deux blocs. Hein, je partage l'écran. Il y a le bloc l'URL. Oui, j'avais. Ouais, voilà. Ouais. Et en dessous, la clé. Et en effet, la clé, quand on est sur Teachable Machine, oula, je crois que la page s'est déchargée. Mais oui, il faut copier juste, voilà, il faut copier juste la clé à la main, comme ça, prendre avec son curseur et copier juste la clé. Après, de toute façon, la clé est dans l'URL. Donc, à partir du moment où on a stocké l'URL quelque part, on a aussi la clé. D'autres questions sur l'utilisation dans Adacraft ? S'il n'y a pas d'autres questions, j'en profite pour vous dire que ceux qui ont vu la petite démo ce matin, qui a reconnu soit le conférencier Claudio Simelli, soit Valérie Letard, soit moi, j'avais entraîné avec Teachable Machine sur 7 photos de chacun d'entre nous, puis utilisé Adacraft avec la reconnaissance de la webcam pour faire un petit projet qui affichait les contacts, la photo, la fonction de chacun d'entre nous à la fin de la conférence. Donc tout ça, j'ai pu le faire avec les blocs de détection sur la webcam. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous arrivez à tester des choses dans Adacraft et est-ce que vous avez des questions ? Alors, juste une question sur Adacraft. C'est développé par la compagnie du code ou c'est parce que ça ressemble à Scratch, mais c'est quoi l'existence de ce site ? Je ne connaissais pas. En fait, c'est moi qui ai développé ce truc-là, enfin, en partant de Scratch. Hein. Donc, bien sûr, dans la foulée des ateliers qu'on faisait dans le cadre d'IDLT ou des ateliers sur l'intelligence artificielle, où en fait, avant, on utilisait un autre outil qui s'appelle Codimates, mais qui était plus compliqué à utiliser pour l'apprentissage et pour brancher le modèle. Et puis, pour le coup, ça utilisait des serveurs d'une entreprise d'intelligence artificielle. Et donc, toutes les données allaient sur leur serveur et c'était pas pratique, c'était compliqué. Et donc, j'ai développé juste une extension Scratch qui permet de se brancher du coup à Teachable Machine parce qu'au final, c'est pas très compliqué, entre guillemets. Parce que moi je suis développeur, hein, ma position, c'est développeur. Donc, quand les développeurs exploitaient un modèle Teachable Machine, c'est pas très compliqué. Il y a des exemples de code dans la fenêtre export. Là, pour ceux qui font du JavaScript ou du Python, vous verrez des exemples de code. Donc, c'est pas très compliqué à exploiter. Donc, j'ai juste fait une extension Scratch qui permettait d'utiliser ça pour créer les quelques blocs en question. Et du coup, j'ai fait un nouveau projet qui s'appelle Adacraft que j'ai hébergé à côté parce qu'on peut pas ajouter ces extensions sur Scratch, quoi. Et puis, j'en profite moi aussi pour ajouter d'autres choses que je trouvais qu'il manquait dans Scratch. Donc Adacraft, c'est Scratch pour d'autres usages que ceux qui sont prévus à l'origine, quoi. Et donc, c'est moi qui le développe en ce moment. Ah, ben cool, ben super, bravo. Et donc, d'ailleurs, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'en poser, à m'envoyer des mails. Moi, je suis preneur aussi de plein de retours sur l'outil lui-même. S'il y en a qui ont des envies particulières pour l'intelligence artificielle ou pour d'autres choses aussi, je suis prêt à ajouter des choses, quoi. Okay, donc voilà. Merci pour la manip, ça marche. Super. Ouais, Nicolas est en plein développement dans Adacraft, donc tous ceux qui ont des questions sur Adacraft, n'hésitez pas à lui écrire. Voilà, il vous remet son mail. Donc, qu'est-ce que vous avez testé comme petit projet avec Adacraft ? Alors moi j'ai repris le truc de machine learning, c'est tout. Hein. J'avais fait panda lapin en fait. J'ai d'accord. Fait un truc parce que j'avais déjà les images. Hein. Ouais. Là j'ai mis une image de chat et ça le classe dans. Alors le chat, si je mets une image du chat, ça me le met dans lapin. Voilà. D'accord. Rien d'original. C'est parce que j'avais déjà les images déjà prêtes, c'est pour ça. D'accord, super. Donc là, ouais, ça serait intéressant de voir quelles caractéristiques du chat l'associent au pixel qu'il a classé comme lapin. Sûrement la silhouette dans ce cas-là. Alors, Eric nous dit « ça ne marche pas pour moi ». Alors, Eric, est-ce que vous pouvez éventuellement prendre le micro et nous dire plus spécifiquement qu'est-ce qui ne marche pas ? Ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand je clique sur le petit drapeau vert. Il ne se passe rien. Je vois que les briques sont exécutées puisqu'elles se colorent, tout le bloc se colore.
deux secondes, mais après, j'ai mon petit personnage qui pense à rien. Ah, d'accord. Et je vois Laure qui met la même chose dans le chat. Alors, moi, j'ai déjà eu ce problème. Je pense, Nicolas, ça vient des images. Vous avez mis une URL de l'image. Là, vous ne testez pas sur la webcam, c'est ça? Vous avez mis une URL d'une image pour tester? OK. Oui. Donc, moi, j'avais le même problème pas plus tard que hier. Ça se peut que ce ne soit pas une vraie URL d'image. Tu veux préciser, Nicolas? Pareil pour Laure, du coup. Oui, je pense que c'est peut-être quelque chose comme ça. Ouais. Parce que... ouais. Si vous avez en effet mis juste quelques blocs comme ça et que ça ne marche pas à ce niveau-là, c'est que voilà, sur la détection, à un moment donné, il n'a pas réussi à récupérer l'image. Donc, ouais, je repartage mon écran. Essayez de trouver une image dont l'URL peut s'afficher. Alors, c'est Nicolas qui m'a montré hier. Il y a certaines images pour lesquelles ça ne marche pas bien. Essayez de trouver, comme la mienne, là, une image dont l'URL, on voit bien à la fin que c'est un .jpeg ou un .png, qu'on puisse... que c'est bien le lien, l'URL d'une image, et pas d'autre chose qu'une image. D'accord. Essayez avec ça, et si là, ça ne marche encore pas, il faudra peut-être creuser le problème, mais moi, quand j'ai eu le même problème que ce que disait Laure dans le chat, hein, ça venait de ça. Donc, essayez de trouver une image, là. À la limite, prends ton URL, là, Julie, et mets-le dans le chat. Que ceux qui ont un problème, qui essayent avec ça. Bon, ce n'est pas du tout vos catégories, mais au moins pour débugger la partie programmation avec blocs, ça pourra peut-être vous aider, quoi. J'arrive. Voilà l'URL d'une image qu'a trouvé Nicolas, d'ailleurs, qui fonctionne. Parce que c'est bien un .jpeg ou .png. Vous nous dites, hein, vous nous tenez au courant si ça remarche mieux. Eric et Laure, et si d'autres personnes sont dans le même cas également. J'arrive pas à trouver, bonjour, les blocs qu'il faut pour mettre, dans quelle catégorie ils sont? C'est dans Ada Vision, donc c'est à l'après toutes les catégories Scratch classiques. D'accord. Des catégories. Ouais. Je cherchais dans les verts. Ok, merci. Et puis la détection par webcam, ça marche si la webcam elle est un peu... c'est plutôt l'écran. Je veux dire, si je montre une photo sur mon écran, enfin, qui est sur l'écran, ça marche aussi ou pas? Non, ça marche sur ce que voit la webcam. D'accord. Ça répond bien à la question? Oui, oui, ben, j'essaie de voir, ben, comme je n'ai pas forcément d'image là ou... Après, ça marche. Ouais. Aussi, vous pouvez mettre une image sur votre téléphone. Parfois, ça marche bien, hein, comme on l'a fait ce matin avec l'audio. On peut mettre une image sur son téléphone et l'approcher comme ça. Il faut bien le mettre, qu'il n'y ait pas de reflet. Mais si l'image est nette et qu'on le met comme ça et qu'on cache sa tête, ça peut marcher aussi en reconnaissance sur une image qui est sur le téléphone. J'ai déjà testé. D'accord. Alors, Laure et Eric, est-ce que vous avez pu retester? Alors, pour ma part, j'ai bien récupéré maintenant une image qui est bien, une URL d'image, donc ça finit bien par .jpeg, mais mon personnage ne pense toujours à rien. Bon, éventuellement, je ne sais pas si on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste, peut-être on peut regarder après, je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Ouais, peut-être plutôt après, là, ouais. Ouais. Ah, ouais. Et pas de souci hein, pour tout le monde, hein, pas seulement Eric. Si vous avez envie de continuer à explorer après et que vous avez des questions, vous nous écrivez. On se rendra disponible par message, voire si vous avez besoin de faire une visio, on se prendra un rendez-vous. Je profite pour vous donner quelques exemples auxquels j'ai pensé. Alors, sachant qu'on peut faire beaucoup de choses, hein, je vais peut-être arrêter le partage et revenir. S'il y a des profs d'SVT, par exemple, j'avais quelques idées. On peut peut-être utiliser au lycée ou au collège, je ne sais plus en quelle classe on le fait, les volcans effusifs ou explosifs. Ça peut être pas mal de tester un petit projet autour de ça. Je voulais aussi tester, je n'ai pas eu le temps avant aujourd'hui, moi j'ai fait des études de biophysique, donc je voulais tester cellules prokaryotes et eucaryotes. Pas encore eu le temps de tester, mais ça peut être sympa à voir si justement le machine learning détecte la présence de noyaux ou pas.
Après, je voulais aussi citer le projet de Romain Estampes, qui est enseignant en mathématiques en collège dans l'Académie de Marseille, qui a l'air de faire un projet super avec ses élèves autour de la reconnaissance des déchets et donc pour le tri des déchets. Donc ça peut être pas mal aussi pour reconnaître la catégorie de déchets. Et dans le petit temps qui reste, en plus de vos questions, on aimerait vous montrer quelques utilisations, d'autres exemples de choses qui ont été faites. Tu veux prendre la main, Nicolas ? J'en ai quelques-unes qui sont ouvertes. Ouais, bah vas-y, okay. Commence à présenter ce que tu as sous la main, puis moi je montrerai après ce qu'on fait Magic Maker. Ok, donc je vous montre un exemple, donc je vous montre une page Twitter. Hop, dès que ça me rend la main, voilà. Je vous montre une page Twitter d'une jeune femme qui s'appelle Céleste Moreno, je crois. Ah, ça recharge la page, ça devrait être bon. C'est MoCreate sur Twitter. Vous pouvez faire des captures d'écran. Elle fait pas mal de choses. C'est MoCreate. Voilà. Donc là, elle a fait un petit projet. C'est celui-là, Nicolas. Hein je non, pense. C'est celui-là. Ouais. C'est celui-là. Bah, on a fait plusieurs, ouais. Ouais. Je pense que tu veux montrer, ouais. Ouais, c'est celui-là où je mets en plus grand. Là, elle nous montre, elle a entraîné en fait son algorithme à reconnaître une page d'un livre, une certaine page. Et quand elle montre la page de son livre, il s'affiche des choses dans Adacraft en lien avec la page qu'elle montre. Ouais, donc là, c'était des premiers tests qu'elle faisait, mais voilà, elle avait envie de créer un projet Adacraft qui, en gros, permette d'afficher des choses pendant qu'on raconte une histoire à un enfant, par exemple. Quoi. Donc, ça une sorte de livre animé, ouais. Une prolongation de l'histoire dans le monde réel avec un projet virtuel. Après, je me suis inspirée de son projet. Hein. C'est clairement elle qui m'a inspirée pour faire une sorte de guide touristique augmenté, en réalité augmentée. Pareil, je l'ai entraîné sur certaines pages. Et quand il reconnaît une certaine page de mon guide, il va donner des infos sur cette page. Donc, je vous le remets en plus grand. Donc là, je lui montre une page. Il ne reconnaît pas cette page, donc ça a dit « No info for this page ». Ça rame un peu hein, dans cette vidéo. Je montre après une autre page, où là, il y a mon église, c'est à Saint-Pétersbourg, et ça va reconnaître la page. Et voilà, là, je fais animer des lutins dans Adacraft qui vont nous dire des choses en plus de ce qu'il y a écrit dans le guide touristique. Voilà cet exemple. Et puis, on a aussi ce monsieur. Nicolas, tu veux parler de lui ? Ouais, donc là, après ça, c'est une application, on va dire, peut-être plus classique. C'est juste détecter les émotions. Voilà, et puis donc, il a fait un modèle Teachable Machine qui le reconnaît en train de sourire ou d'être triste. Et puis, il affiche un lutin en fonction de ça. Donc, voilà. Voilà. Donc, tous ces projets ont été repartagés sur Twitter, si vous avez Twitter, par Adacraft. Donc, si vous voulez suivre le compte adacraft.org. Nicolas, veux-tu montrer un dernier exemple ? Je vais arrêter. Ouais. Alors, moi, je vais déjà mettre le lien de ce que je vais vous montrer, comme ça vous l'aurez. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est les ressources qui ont été développées par Magic Makers. Donc, qui sont sur Paris, qui animent aussi des ateliers autour de la pensée informatique, mais sur Paris, et qui sont partenaires sur le projet Idéalité. Donc, comme je disais au début, on a conçu les ateliers ensemble. Quoi. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, ça y est. Ok, bah, donc voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les projets, de toute façon, là, on arrive vraiment à la fin de l'atelier. C'est juste pour donner quelques idées supplémentaires et en particulier faire des modèles qui reconnaissent des flèches qui vont à droite, à gauche ou en haut, etc. Pour commander un jeu en fait. Donc plutôt que d'utiliser les touches du clavier, ben, on met une feuille devant la webcam et puis on oriente la flèche pour déplacer le personnage dans le labyrinthe, par exemple ici. Ou ici c'est pour un jeu de tir, hein, ou ici pour un jeu où on ramasse des choses qui tombent. On peut faire aussi des projets pour faire des quiz où on dit voilà, montre une tasse, montre un livre, montre un téléphone portable, il faut le faire le plus vite possible.
Et voilà, donc avec la détection pour reconnaître les différents objets. Ou alors pour faire des quiz. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est une histoire de coffre-fort. Alors comment c'est ce truc encore ? Il faut montrer voilà, le bon objet pour ouvrir quelque chose. Donc on ne sait absolument pas l'objet qu'il faut, mais il y a peut-être une petite énigme. Il faut réfléchir et puis bon, faire des essais. Et puis quand on montre le bon objet, là, ça a détecté et ça fait une action derrière. Voilà, puis une chasse au trésor. Voilà, bon, on pourrait donc imaginer aussi une chasse au trésor, récupérer certains objets particuliers qui sont planqués et c'est en les mettant devant la webcam que ça permet de dire bah oui, c'est bon, tu as récupéré cet objet. Voilà, et puis ils ont fait d'autres exemples. Donc, avec le lien que je vous ai donné, vous allez tomber sur cette page qui reprend les descriptions de ces projets avec des exemples. Voilà. Donc, je crois qu'on arrive à la fin de l'atelier.